accepté et peuple Tomazo commence à remercier le président pour gros travail ça et nous tout dit président n'a pas ni dans caravane changement parce que c'est caravane qui pour venir fin faire route là-bas nous Jean le dit là Jean président te dit là depuis Kafou Tomazo passé par Konion Grand Bois rivé jusqu'à la frontière avec la République dominicaine on tronçon ça il est capable de prendre nous environ 3 mois pour travailler la fête parce que pas oublier que le nouvel espace là j'ai été tracé route là on dit j'en très large donc nous pourrons le faire environ pour nous commencer dans la première phase là 900 mètres linéaires de caniveau sous et tout de bord la rue pour nous capable avancer route là son route qui a environ largeur route là son route à deux voies environ 7 mètres 60 presque 8 mètres 7 mètres 60 et on route à deux voies n'a avancé et avancé sous tout caïman sous débat pour nous arriver dans centre-ville là. Et on l'autre partie okay, route là dans entrée et route là même mais deuxième partie route là nous pourrons commencer tout dans limite avec Konion Grand Bois pour nous passer descendre pour rencontrer Bouc Tomazoa. Bon, ce n'est pas comme qui prévoit dans le budget seulement qui pourra le faire travail là. Dans un premier temps, nous avons cherché un premier COP dans le fer. Ça, c'est la première partie dans le COP là. Bon, deuxième partie, nous avons entré dans le fer route là. Et puis, troisième partie, c'est l'argent que nous avons fait mettre dans le budget pour construction route Tomazo. Petit à petit, il n'a pas avancé. Je pense que là, raisonnablement, et si mes souvenirs sont bons, Dédéo, il faut avoisiner presque 100 millions de gouttes. Hein? Avec tout ça qui est. Nous avons en première phase 5 millions, deuxième phase 39 millions et nous n'avons pas avancé progressivement vers 100 millions de gouttes pour nous avancer. Pas oublier que mon dernier espace qui peut évaluer, parce que là nous venons faire travail, mettre mise en place pour route là, caravane changement pour arriver et pour faire asphaltage là pour nous. Ça, estimation, ça nous pouvons gagner. Nous avons un coordonnateur caravane qui pourra évaluer combien asphaltage route là pour coûter nous. Leur mise en place au fin faite par la direction départementale de l'Ouest là en notre travaux public. 191 ans existait comme ville. Tomazo pas font pas. Je ne veux pas. Si avec député Cyprien qui est sous PHTK, qui est président Jovenel, qui est président d'un pays, nous-mêmes comme autorité locale, pour Tomazo vienne gain route, rentrer là-dedans. Bon bagaille, nous-mêmes, nous t'ai toujours dit. Depuis la campagne. Avec Wout Tomazo, député à Tepomet, nous même avons bataille pour Wout la, bon côté pour nous battre le conseil, pour le goumer, pour entrer comme dans le budget pour Wout la fête. Depuis Wout Tomazo fête, Tomazo, les fêtes Saint-Anne chaque 26 juillet, après entrer en pile monde que même Sodo, nous avons battu Sodo. Les fêtes 26 juillet Saint-Anne. Et chauffeur et tout, il a senti son souffle qui allait pour eux par rapport à l'air. Pour une route là, ressort à craser, yo gagne pile problème. Pour nous, là, me senti que c'est une fierté pour nous, c'est une fierté pour chauffeur Tomazo. Son victoire pour nous-mêmes députés, pour des équipes députés, son victoire pour nous-mêmes autorités locales. Pour joie pour nous-mêmes, la commune de Tomazo. Ça c'est que joie arrive aujourd'hui pour prier à monter grâce à la descente. C'est grâce à député qui mène. Michel Matéli, mené Jovenel, Kounia là, Kounia dans 91 ans d'existence, Tomazo, Kounia nous va le recycler route. Alors aujourd'hui, nous sortis, d'après les peuples Tomazo, pour nous dire aujourd'hui, c'est joie arrivée. Parce que toute journée, c'est qu'on soit peuple Tomazo, appelé les demander qui j'ai baillé ça à faire route là. Parce que tout programme, c'est route là, vous mettez devant le président. Alors aujourd'hui, nous sortis, c'est gloire pour nous, nous avons préhensé à l'écart route ça qui a fait là. Nous sommes une commune qui limitrophe avec Tomazo. Et tout ça qui est bloqué Tomazo, nous n'avons pas de cajouine et tout. Mais nous connaissons à partir d'aujourd'hui, là, vu avec lancement ça qui fait sur route là, Libral a fait peuple Konion Alonso parce qu'il y a un problème pas plus grave qui problème pas Tomazo, surtout en ce qui a trait avec route. Parce que le problème nous avons le même problème avec Tomazo dans l'affaire route là, mais route pas plus difficile parce que Tomazo est parti plein, mais nous sommes une commune qui est plus montagneuse et nous attendons avec directrice là pour porter pour nous, pour démarrer la fête avant la caravane, pour nous gagner un budget pour nous, tout qui commence à épuiser sur route là pour faire préparation pour la caravane, pour mettre ça, le président a fait en plus pour nous. We'll be right back.
forces armées d'Haïti a pour occuper le tout. Mais quel intérêt qu'on fait ça? Bon, écoutez, il n'y a pas aucun intérêt. Sinon que là, nous avons un grand quartier général des forces armées d'Haïti. Donc, l'armée réhabilité dans ses doigts. Eh bien, je crois que nous n'avons pas besoin de chercher trop loin pour nous comprendre la logique des faits, montrer qu'il faut nous tourner la caille. Nous tourner le quartier général, ce n'est pas motivant, c'est la conviction militaire. La conviction militaire nous anime d'abord, notre formation, et puis quand même, au nom du pays, et au nom de l'armée, nous satisfaits, parce que le pays n'a pas de fonctionner sans l'armée. Et je crois plus de reconnaître ça, même les civils, reconnaître que comme tout autre pays, nous avons l'armée. Mais ça, nous avons dit, continuer à faire nos confiances, faire pays à confiance, faire institution pays à confiance. Et l'armée que nous avons mis sur pied, c'est une armée moderne, c'est une armée tournée vers le développement, vers le service social, que nous commençons déjà en plusieurs points. Et donc, tout le monde est confiant, confiant dans l'institution, dans l'armée qui est une institution. Tout. Le ministère de la Défense, qui est supposé prendre logement ici, à partir de décisions autoritaires, il y a un changement qui a fait. Le ministère de la Défense a descendu ici. Et puis, le ministère de la Culture lui-même a monté. Donc là, on a un espace côté pour loger. Et enfin, commandement, en attendant que. Nous pas nommés et nous venons là pour nous.